longtemps, qui maniait un arc béni par un kami. Quand le démon revint, Uchitsune était prêt. Armé de son arc long, il visait plus juste et tirait plus loin que tous les autres archers du Japon. Uchitsune tira une flèche unique qui transperça le cœur du démon. Ce dernier tomba au sol et dans un dernier souffle, maudit l'archer. Peu de temps après, Uchitsune commença à voir la silhouette du démon partout. Son arc légendaire ne ratait jamais sa cible, mais en mourant, celle-ci libérait un cri humain. La piste des cadavres mena à l'archer qui fut capturé. Bien qu'ils fussent nombreux à demander sa mort, l'empereur eut pitié d'Ujitsune. Il fut banni sur l'île de Tsushima, où il mourut bien des années plus tard, seul et oublié de tous ou presque. L'arc qui servit à tuer le démon y est resté caché depuis. Certains disent qu'il attend un maître digne de lui, d'autres pensent qu'il renferme toujours la malédiction du démon. Parfait. Bon, ben salut à tous. Excusez-moi, la vidéo a commencé sur... il manquait une ligne de dialogue. Alors, le jeu a crash à la seconde 1. Je l'ai lancé. L'arc semble puissant. Soyez prudent, monseigneur. L'arc éveille les ténèbres en quiconque le convoite. Je m'en souviendrai. Encore faudrait-il que je sache par où commencer. Pour trouver la paix de l'esprit, Uchitsune se promenait souvent sur la côte, totalement fasciné par les hortensias bleues qui s'y trouvent. Qui sait, c'est peut-être une piste. Très bien. Oui, les fleurs bleues sur la côte d'Yoshi. Bon, bah écoutez, on va y aller. Ouais, le jeu, en fait, j'ai marché 5 mètres, on est arrivé là, j'avais lancé la vidéo et tout, et le jeu a crash en fait. Donc, et en fait j'ai le jeu qui a crash, et puis voilà quoi. Et donc du coup bah, j'ai voulu relancer, sauf que bah, en relançant le jeu, bah, je suis arrivé directement à l'endroit où du dialogue où j'étais au moment où ça a crash. Donc bon, je suis désolé, vous avez perdu une ligne de dialogue. Après c'est pas trop grave, hein, on a compris le principe quoi. On a compris la légende du Uchitsune. Alors, les fleurs bleues. Ils sont par là les fleurs bleues. Des hortensias bleues, comme m'a dit le musicien. Je ne dois plus être loin. Suivre les fleurs bleues. Et on peut se cacher là-dedans? Oui, je suppose. Ah bah. Si c'est pas là. La tombe est fissurée. J'ai rien vu à travers les murs en tout cas. Inspecter la tombe. Ah, on peut passer par en dessous, par là-bas. Une île entourée de fleurs bleues. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. Ok. Tombe d'Uchitsune. Ouais. La sépulture d'Uchitsune. Là. On va passer par là, j'imagine que c'est le chemin logique. Très bien. Ah. Il n'y a pas d'endroit où attacher les grappins, donc par un saut. Classique. De chercher l'arc maudit. C'est la mort que vous trouverez. Pour toi. Portez le masque d'un Tengu. Son tir était un avertissement. Je dois rester sur mes gardes. Donc là, faut que je trouve l'île. va suivre le vent. Hein. Et où ce con ? Il y a du monde là-bas. Ah, est-ce qu'ils te voient dans les herbes les mecs ou pas ? Hop là, y'a là mon pote. Merde. Voilà, c'est bon. Hop, j'arrive ma grande. C'est bon. T'es saine et sauve. Seigneur Sakai, je vous remercie. Faites attention à vous. Prenez ceci. C'est tout ce que j'ai. Merci bien. Alors il nous mène où le vent là? Là-bas toujours, mais ça doit être ça là avec l'arbre là, hein, ce qu'on voit. À mon avis, je pense que j'irai aussi bien avec un cheval. J'aurais jeté souffrance. Toi, viens par là. Ah. Alors, oula. Chercher l'île. Mais elle est là l'île, non? Ah c'est ça hein. Ah toi. Elle est tout là-bas l'île en fait. Et du monde partout sur la route, c'est infernal par contre. Ils sont les trois de dos là. Il y a moyen que je leur tente une petite embuscade. Hop là. Et ouais les mecs, faut être vif. Ah bah ceux-là c'est sûr que c'est ça, mais alors comment je descends après? Parce que là, ouais. Ah, il va falloir que je descende, mais comment? Attends, c'est impossible, je peux pas descendre par là. Ici, moi. Hop. Bah tiens, déjà je peux descendre par là. Sanctuaire de la pierre curatrice. Où ça? Ah oui, là-bas. Bah c'est justement là où on va, en fait, du coup, je suppose. Non, c'est pas là où on va. Ah non, c'est peut-être là-bas. Ah, parce que nous, il y a le sanctuaire ici, là, qui nous intéresse. Mais alors là... ouais. Là, on descend pas, ici, hein. Non, parce que... Après... Ouh! Une fois qu'on sera là, j'imagine qu'on pourra peut-être descendre sur la plage plus facilement et pouvoir atteindre du coup l'île en question. Peut-être pas du tout et... Peut-être que je me rallonge mais bon, au moins... On l'aura tenté. Par contre là j'espère que je vais au bon endroit là, non ? Est-ce que je vais dans le bon sens ou pas? Ça a pas l'air, hein. J'ai l'impression qu'on se fait un peu douillé là quand même, non? Oula, bah, c'est terminé. C'est terminé. Hop là. Ok. C'est bien déjà que le jeu soit... comment dire... Le jeu il est compréhensif quoi. Il y a des petites sauvegardes assez régulièrement. Et ça on trouve ça quand même très très cool. Lâcher, hein. Pas besoin de grimper non plus. Hop. Très bien. Oula. Oula. Hop là. Ça allait tomber là encore. Ah, c'est les salauds, hein. Par contre, en termes de level design, vraiment, c'est vraiment bien foutu, quoi. Ouais. C'est vraiment très très beau et très bien branlé tout ça. Hop là. Oh non. Ah tu vois, non mais vraiment le jeu est cool quoi par contre. Le jeu est cool parce qu'il te sauvegarde vraiment assez régulièrement quoi. Alors même très régulièrement. Allez on dégage la mouette. Eh ben ! Le crapaud de malheur. Ah tu vois par contre je pense que ça va être chaud de descendre par contre. On va pouvoir remonter par contre pour descendre ouais. Je pense qu'on s'est un peu rallongé là. Bon, tu me diras au moins on l'aura vu cet endroit. On sera allé le chercher. Après ça peut peut-être se faire hein, quand même. Hein. Alors, ouais, si tu glisses le long de la paroi et que tu tombes pas. Donc ça va nous donner un petit charme du coup. On apprécie. J'espère que ça va être un charme intéressant. Ceux-là en vrai ceux qu'on a ils nous vont bien pour l'instant. Charme du kami de la médecine. Qu'est-ce que c'est? Restitue progressivement de la santé hors des combats. Ah, ah c'est pas mal ça. Parce que du coup ça permet d'écho la détermination acquise hors des combats. Ah ça c'est cool. Putain, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que en même temps il nous reste des améliorations à faire et le charme qu'on a nous. Charme d'Inari nous permet d'augmenter les quantités de provisions, peau de prédateur, bambou, bois d'if qu'on collecte. Et ce qui est quand même vachement intéressant sur le long terme. Quand même. Alors au bout d'un moment on n'en aura plus besoin parce qu'on aura amélioré le maximum de ce qu'on peut. Là tu vois, armure on a tout amélioré. Mais il nous reste quand même le sabre amélioré. Bon, il nous faut surtout du fer. Hein. Le sabre, le kunai amélioré. Mais bon, ce qui nous bloque, c'est le fer. C'est pas les provisions. Et là, pareil, on va avoir l'arc long amélioré. Du coup, qu'on va avoir avec la mission qu'on est en train de faire. Donc à voir. On va avoir la nouvelle armure du clan Sakai. Aussi, on sait pas ce qu'elle donne. Ça se trouve, elle est bien. J'imagine qu'elle est très axée combat. Est-ce qu'il y aurait moyen que je glisse sans me casser la gueule? Non, sans me péter les jambes, il y a moyen ou pas? Ça a l'air chaud quand même. Hein. Ça a l'air chaud. Hein. Est-ce que tu peux sauter dans l'eau sans t'enculer la vie? Ah non, mais là, il n'y a pas... Il n'y a pas assez de flotte, là. C'est un peu la merde. Partir du sanctuaire. Ah. Ah. Cool. Ah oui, mais non, pas ultra cool finalement. Ouais, on l'avait même pas lu. On l'avait même pas lu. Ouais, non, il faut qu'on continue par là-bas. Elle a ma couille. Oula, attends. Bien. Oh, il m'a affiché ça. Je veux pas qu'il me l'affiche. Non, moi je... Ne m'affiche pas ça. Ah d'accord. Ah mais c'est que je veux changer... Je veux jouer de la flûte pour qu'il fasse beau. Et apparemment je peux pas. Accélère, no boom. Bon. On va continuer. Dans le mauvais temps. Avec un temps maussade. Ah. Prisonnier qui s'est enfui là. Il a été rattrapé. Encore des fleurs bleues. Ah bah. C'est un chemin fléché là. Ici y a rien. Ah ouais. T'es comme le cheval de Assassin's Creed d'origine toi hein, tu te mouilles pas quoi. Et ils s'enterrent les crabes. Les crabous. Une montagne entourée de fleurs bleues. L'arc d'Ujitsune s'y trouve peut-être. Ah, en fait, on va nous faire faire toute la map. En fait, ouais, c'est ça. On va te faire faire toute la map. En entier, quoi. C'est bien, c'est bien. J'apprécie, j'apprécie. Si vous poursuivez votre quête, Tsushima tombera. Assez. Parlez simplement. Ceci est votre dernière chance. Ne cherchez pas cet arc. Ah mais pourquoi tu viens pas me le dire en face? Couillon va. Couille molle. Voilà. Ah il a un masque de démon. Il a un masque de démon. De toute façon on va se TP jusqu'à un camp hein. On a découvert un camp dans la zone. On va s'en servir hein. Juste finir d'explorer quand même un peu l'île parce que tant qu'on y est, j'aimerais pas avoir besoin d'y retourner. J'aimerais pas avoir besoin d'y retourner quand même. Hop. Hop. Il y avait 3 fleurs. Génial. Dinguerie. Ouais. Bah c'est tout hein. Attends, peut-être par là. Ah, parce que sur la plage on a vu qu'il n'y avait rien, mais peut-être que là. Qui a l'air d'avoir un renfoncement. Bon, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Baiser. Baiser. Bon, bah du coup. Dojo. Ouais, dojo, hein. Attends, merde. Hop. Alors. Trouver la montagne de la préfecture d'Yoshi. Ah, le vent il veut pas se mouiller non plus. Hein. Le vent il me donne pas d'indication. Hein. Bon, est-ce que c'est là où je vais déjà? Je sais pas, peut-être. Hein. Ça serait ça. Ça a l'air d'être une montagne quand même. Mais... il y a 3 pics. Et vraiment le vent il n'y a pas de vent. Le vent il te dit d'aller te faire foutre. Ah par contre attends, je vois des fleurs bleues là-bas non? Là pile en face de nous là, je crois que je vois des fleurs bleues. Putain. Mon œil de faucon ne m'a jamais trompé. De faucon m'a jamais berné. Oh là là. Des fleurs bleues. Je suis sur la bonne voie. Ouais frère, tu fais 60 kilos au cours. T'es pas asthmatique. Je ramasse pas forcément les fleurs que je vois. Parce que bon, vraiment, les fleurs, c'est le truc qui est le moins important, en vrai. C'est que pour des skins. Donc, c'est pas qu'on en a rien à péter, mais pas loin, quoi. Putain, c'est très joli par ici. Ouais, c'est magnifique. L'arc doit être là. Ah oui, c'est magnifique même. Oui. Et là, ça va tirer une flèche, non, avant que je le récupère. Hop là. Où suis-je? L'arc est maudit. Vous ne connaîtrez que la mort jusqu'à votre dernier souffle. Ah, duel de démons. Alors là, mon pote, tu vas voir. Tu vas comprendre que je suis un démon qu'il vaut mieux pas chercher. Prépare-toi. En garde. Voilà. Oh là. La priorité est de chasser les Mongols de nos terres. Je m'insérerai de la section du char. Démon mes couilles, ouais. Après j'ai pas mal joué en vrai. J'ai pas mal joué. Si j'avais pu contrer son attaque là, mais j'avoue que des fois en fait ce que je fais moi c'est que je regarde les yep pour les attaques. Et du coup des fois je vois pas les attaques rouges en fait. Les attaques bleues je les vois bien en regardant les yep parce que ça se voit, c'est flashy. Les attaques rouges des fois dans le décor là, en plus c'est un décor rouge, je l'ai pas vu. Hop là. Petit point de compétence. Arc long, dégâts et zoom élevé, mais temps d'armement long et impossibilité de viser à genoux. De viser à genoux? C'est quoi viser à genoux? C'est pas ce que c'est viser à genoux. Pardon. Qu'est-ce que c'est viser à genoux? Je sais pas ce que c'est. Dégâts. Pour l'autre. Ah l'autre il a des sacrés dégâts par contre. Hein. Ah par contre dès le niveau 2 il a... Ah oui oh, par contre à la fin il fait full dégâts. Genre il one shot les mecs quoi. Il one shot tout le monde d'un tir dans le bide. Bon bah... En avant Guingamp hein. Oui tiens. On n'a pas un truc à récupérer, non bon. Bon, de toute façon, du coup, on va se TP par là-bas. Et on va aller faire la ferme. Hop, puis en plus, on a une petite quête ici. Quel honneur. Seigneur Sakai, vous connaissez la statue qui surplombe la grande ferme à Kushi? Il y a un jeune homme qui s'efforce à lui seul de la protéger des vandales et des voleurs. Une des sculptures de Maître Iso. Ce jeune homme pourrait avoir besoin d'aide. Ce serait terrible que cette statue tombe aux mains de l'ennemi. Je vous en prie, vous devez à tout prix la protéger, monseigneur. C'est une statue quoi. Venez les mecs, on va prendre une statue. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Tiens, allez, hop. Une portée et une précision sans faille. Parfait. Ce qu'on veut. Ah, ça améliore quand même la vitesse d'armement et tout. Par contre, la vitesse d'encoche ne bouge pas du tout. Elle ne bougera jamais. Ok. La mort à distance. Vous ne disposez pas des matériaux requis. Ah oui, il nous manque du bambou. Ok. Il nous manque du bambou. Il va nous manquer pas mal de bambou. Hein. Ouais, il va falloir qu'on en trouve assez régulièrement. Il va falloir qu'on s'arrête. Je vous laisse. Pour chercher du bambou. Ah oui. Je comprends pas tirer à genoux. Ah oui, t'es obligé d'être debout. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça. Ah. Ouais, donc t'es un peu obligé de te mettre en danger. Ok. Ok. Bah oui, on va aller là. Par contre, du coup, je vais être obligé de me TP par ici. On va avoir un tout petit peu de chemin. Viens là, oula. Viens là mon gars. Je sais pas quel jeu là, vouloir grimper sur mon cheval avec A. Hop. Voilà, très bien. Allons-y gentiment. Tiens, du bon bout, comme pas. On en parlait. Je vais m'occuper de toi, mon pote. C'est quoi le merde, le bonus? J'ai des ennemis enflammés. Ah. Ah, ça va être chaud le bonus, hein. Surtout si on veut le faire en mode discret. Hein. Faut peut-être pas le faire le bonus. Hamba. Viens par là, toi. Je vais m'occuper de toi, gamin. Même là, je peux pas passer. Non, là, je peux pas passer. Terminer cela là-bas. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen de rentrer dans la baraque par ailleurs, par un autre endroit. Non, pas par là. Y'a pas moyen. Là, par contre, dans cette maison là, il y a peut-être moyen. Merde. Pas du tout ce que je voulais faire. Un gars juste en dessous là. Qu'est-ce qu'il fait comme chemin? Ah ouais, c'est la merde. Hein. C'est la grosse merde. Attends, non? Parfait ça. En vrai, je pense que tant qu'il n'est pas amélioré, ça serait mieux de prendre l'arc court. Croc de feu. Je sais pas lequel je préfère. On va tester celui-là. Est-ce que lui va voir un cadavre là, ici? Est-ce qu'il viendrait? Je pense qu'il va aller dans la baraque. Ah non. Il va venir par ici. Là pareil, à l'intérieur de la baraque, lui il va le voir. Si je bute lui, l'autre il le voit à l'intérieur, je pense. Vite. Hop. C'est fini, tout ira bien. Je te secours, je te secours. Putain, ça a failli partir en couille. Je vous dois la vie. Tout va bien. Je pensais que je pourrais le faire. Vérifier, voir si j'étais un gros con ou pas. J'essaierai d'oublier. Je pouvais pas rentrer par ailleurs, hein. Non, je pouvais pas rentrer par ailleurs, hein. J'avais que cet endroit là pour rentrer. Ah ouais, il fallait que je lui mette une flèche. Il fallait que je lui mette une flèche. J'avais peur qu'on me voit derrière en fait. Bon. Il y avait de la provision, c'est pas mal. Ouais. C'est bon. Personne voit. C'est des chiens qui gardent. Je sais pas jusqu'où ils me voient les chiens. Je sais pas jusqu'où ils me voient les chiens. Casse-toi, toi, là-bas. J'attendrai qu'ils soient tous morts. Oui, attends qu'ils soient tous morts. J'arrive. N'aie crainte. Vous serez bientôt libre. J'ai cru que j'allais mourir ici. Allez-y, et faites attention. Les chiens, ici. J'étais bien éduqué quand même. Hein. Et tu vois la maison où on peut rentrer dans des petites trappes et tout, là il n'y a personne dedans. Le troll. Ah ils m'ont trollé, ces bâtards. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Julien, pas mal. Pour une armure. Personne n'a entendu. Oh la folie. Oh la folie furieuse. Personne qui a entendu ça. C'est une dinguerie ça par contre. En plus je peux le tuer, personne va le voir. Tu vas revenir ou quoi? Hop là. Hop. J'arrive madame, c'est bon. J'ai eu le temps de tout faire. Y'a plus personne. C'est fini, tout ira bien. Ah les autres ils vont être sur la côte là-bas là. La petite maison qu'on a vue au loin. On vous doit la vie. Prenez la clé de l'armure de Gosaku. Faites-en bon usage. Cette armure, l'avez-vous déjà vue? Jamais nous n'oserions aller voir. Notre rôle était de conserver la clé pour quelqu'un comme vous. Clé de Kuta. L'une des 6 clés menant à l'armure de Gosaku. Offerte par les fermiers de la ferme de Kuta. Ah ouais, c'est exodial maudit le truc. Ah ouais. Il va nous falloir plusieurs fragments pour débloquer une armure entière. Ah non, c'est bon, on a fait... Ah, en fait non, c'était 4 ennemis enflammés qu'il fallait tuer. Ouais. Bah, le truc c'est que vu que je veux jouer en infiltration, le problème c'est que si j'enflamme des ennemis tout de suite, l'infiltration elle a pas le même goût quoi. Donc surtout que là il n'y avait pas de baril de poux, il n'y avait pas de truc, j'étais obligé d'y aller avec de la flèche enflammée, donc le cheval au calme. Bon, tu me diras, G, il est au calme aussi. Allez les refs, on se lève. Reste du taf un peu. Pas le temps de niaiser là. Vodka Heineken et ça repart. Hop là, c'est bon. C'est libéré. Tac, est-ce qu'il y a une petite quête à récupérer, un petit truc? Carillon, on est bon, non, non, bon, on est bon, c'est bon. On va pas non plus tourner pendant 30 heures à l'intérieur de l'endroit là. Si, peut-être juste aller vérifier. Tourner à cheval comme ça, voir si on voit pas une bulle d'aide. On voit pas de bulle d'aide, on voit pas de bulle d'aide, on voit pas de bulle d'aide. Hein. Non, personne n'a besoin de moi. Personne n'a besoin de moi ici. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va descendre. Merde. Merde. Terminer les voyages dans le passé pour débloquer cette région. Nouveau contenu débloqué. Sympa ça. C'est quoi, c'est un DLC? On sait pas ce que c'est. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Je dois réussir. J'ai réussi à libérer Yadka, mais les Mongols détiennent d'autres prisonniers. Je dois trouver un moyen de les aider. Ah oui. Donc bah, on va se TP ici. Je vais faire une courte pause. Je vais aller pisser et je reviens. J'arrive. A tout de suite. Allez hop, on s'essuie les mains pleines de pisse. Ah mais je me suis rincé les mains, je me suis essuyé vite fait, mais encore les mains trempées. Tiens bah du coup on va aller faire cette quête là, j'imagine que ça sera pour nous emmener en fait au même endroit. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Autant faire une quête secondaire, puis libérer le village d'Azamo. Donc faire l'un puis l'autre. Après ça se trouve on va pas avoir le choix mais... Ah. Un petit criquet. Un petit criquet. Hop. Sont trop nombreux. Nous n'avons aucune chance. Nous devons faire quelque chose. Monseigneur, nous allons dans la baie d'Azamo. Venez vous battre. Si vous attaquez, vous mettrez tout le monde en danger. Les Mongols affament et brutalisent nos aînés. Ils les punissent pour un prisonnier qui s'est enfui. Vos anciens ne sont pas responsables. Où les retiennent-ils? L'une est au sanctuaire. Les deux autres sont dans des maisons. Comment comptiez-vous entrer? Les portes sont verrouillées. Il y a une ouverture dans la clôture, près de la grande porte. Enfant, nous sortions par là. Je passerai par là pour entrer. Cachez-vous jusqu'à ce que j'ouvre toutes les portes. Merci, monseigneur. De rien, ma gueulante. Une affaire à régler. Ah, donc près de la porte principale, ils ont dit qu'il y avait une brèche. Ah oui. Effectivement. Donne-moi du bambou. Ah ouais. J'attends qu'il remarque son pote. Bon, mais pas besoin. C'est bon, personne le verra, je pense pas. Il a pas vu son pote à 3 mètres, alors l'autre là-bas il le verra pas. Enfin, il l'a peut-être vu, mais. Prévenu, pas de poisson, pas de repas. Si on ne mange pas, vous non plus. On a besoin de manger. Ramène du poisson. Là il y a du monde. Faudrait que j'arrive à les attirer ailleurs. Faudrait que j'arrive à l'attirer dans le bat. Ici là. En fait dès qu'il revient, faudrait que je l'attire dans le bâtiment. Ça, je balance un carillon ici, là. Et je le dose en toute quiétude. C'est parfait. Je vais quand même m'équiper de l'arc, on ne sait jamais, si jamais il se retourne. C'est bon, les autres ils n'ont pas entendu. Les chefs mongols, libérer les anciens du village, ouvrez les portes du village. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que personne va le voir de toute manière. Purview. Ah, huge fish. Il va falloir que je me le fasse par là. Hop. Hop, pour l'instant c'est pas mal, je pense que je pourrais peut-être m'occuper d'eux alors. À voir, à tester. Voilà par exemple, je pense qu'il faudrait que j'ai des stocks comme ça. Les flèches lourdes peuvent transpercer les ennemis. Ah ouais, les casques et tout. Viens par ici mon pote, viens là, on discute tous les deux. Je peux les éliminer un par un. Ouais, hein, un par un, c'est pas mal. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le toit parce que j'ai peur d'attirer le mauvais par ici. Je vais en attirer un par là. Et je vais tuer l'autre. Je pouvais pas les observer, je sais pas pourquoi. Ça me proposait pas. Hop là. Parfait. Bombe fumigène, on en a récupéré. Ah. Ouais, moyen d'avoir un petit beau temps quand même. Le mec en plein milieu d'un camp, il joue une petite berceuse. Ah. Dans les nuits d'Arabie. Alors le mieux ce serait quoi? Ce serait de commencer cela en premier. Je sais pas comment on accède à eux. Non, je pense qu'il faut mieux commencer avec les autres. Ah, lui, si je le tue, j'ai peur que... Ah, il va peut-être pas être repéré. Hein. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Excusez-moi madame, vous allez vous prendre encore une ou deux droites, mais je dois faire quelque chose avant. Fais demi-tour, fais demi-tour. Et demi-tour. Fais demi-tour. J'arrive. Ne bougez pas. T'es libre. Vous êtes blessé? Je vais bien. Ils voulaient que je soigne leurs malades. Et vous avez refusé. Restez ici. Je vais m'occuper du reste. Après quelques patates. Pitié, libérez notre forgeron Izumi. Les Mongols le retiennent dans l'une des maisons. Très bien. Je suis en route là. Merci. Il faudrait que j'ouvre la porte là-bas aussi, putain. Laissez-moi! Montre-nous comment fabriquer l'acier japonais. Ou une épée mongole te tranche la tête. Lui, il faudrait que j'arrive à me le faire de dos, parce que sinon il va me cramer. Parce que là, si je monte là, il va me cramer. Ouais. Si je monte bêtement par là, il va me cramer. Hop là, par contre, mets-moi ça. Seigneur, pitié, sortez-moi d'ici. C'est fini, tout ira bien. T'es libre, mon pote. Vous ne craignez plus rien. J'étais persuadé qu'ils allaient m'exécuter. Ils ont déjà tué un forgeron. Non, il s'est échappé. Vous pourrez partir, vous aussi, une fois le danger écarté. Hop. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé de fer par contre, hein. C'est une folie ça. Pas du tout de fer. Sauvé par un samouraï, ouais. Eh oui. Après, ouais. Je suis un homme comme un autre, hein. Attends, allons ouvrir la porte quand même. Avant toute chose. délivrer les villageois dans les cages, il nous en reste quand même pas mal. Hein. Bah, il nous reste tous en fait. Mais ouais, je comprends pas. Bah, c'est vrai que le camp est grand. Hein. Aïe. Ouais. De toute façon, le fer souvent il est au sol. Hein. Je crois qu'il d'ailleurs qu'il est que au sol. Mais bon. Ça dégage mon pote. Je ferai plus de mal à personne. Ah mec, ça pique un peu sous les selles. Je sais pas pourquoi il taillade sous les selles comme ça. Peut-être pour atteindre un poumon, je sais pas, et empêcher le mec de crier à cause de la douleur. J'avoue que j'en sais rien. J'ai des suppositions, mais j'ai pas de réel. J'ai pas d'affirmation en fait par rapport à ça, à cette pratique. Hop là, t'as rien vu, toi. Accepte la suprématie mongole, et le grand Khan aura pitié de toi. Résiste et tu seras puni. Témoignage, on va quand même peut-être lire le témoignage. J'ai demandé à Taro de courir jour et nuit pour te remettre ce message. Par immédiatement, la ville de Komoda est en cendres. Les murs d'Azamo ne tiendront pas l'envahisseur. Ce ne sont pas les pirates et les bandits que nous avons connus autrefois. Ils sont bien pires, leurs armes font pleuvoir le feu. Nous n'avons aucune chance contre eux. Fuis vers le nord dans les contreforts. Ah, bah, apparemment, il a pas fui. Hein. Apparemment, il n'a pas voulu écouter. Je ne veux pas mourir. Allons voir. Je suis censé faire ça. Non. Merci, monseigneur. C'était beau ça aussi, hein. Malgré mon peu de talent à l'arc. Êtes-vous le chef du village? C'est moi. Les Mongols menaçaient de tuer les miens si jamais je n'acceptais pas leurs règles. J'étais prêt à capituler. C'est courageux d'avoir résisté. Cachez-vous tant que le danger n'est pas écarté. Le chef de guerre mongol a investi ma maison. Je vous en prie, chassez-le et délivrez-le. Je vais m'en occuper, Fao, t'inquiète pas. Je suis là pour ça. Hop. Alors, à nous. Vous êtes libre. Je vais tester l'arc du coup à un moment donné sur un des chefs vivants qui restera vivant. Ah bah lui il est mort lui. Heureusement. Après ouais ils sont pas obligés de rester hein. Vu que je vais ouvrir la porte ils peuvent se barrer tout de suite hein. Ils peuvent se barrer maintenant déjà. Attendre dehors. Il n'y a rien. Oula. Perso il veut pas monter. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est quelque chose ça par contre. Et il a été one shot. Incroyable. Ou alors l'arc long mon pote. T'es où toi? C'est barré? Hop là. Allez, dernière posture. Très efficace contre les brutes. Ah oui, donc contre les gros. Ok. Parfait. merde. Comment ils sont faits? Ah, c'est la flèche que j'y tirais peut-être. Ah, la flèche que j'ai tirée, elle les a peut-être venue jusqu'à eux ici là. Merde. Alors ce que ça donne. Ah oui. Tu veux manger ta calotte? Ah oui non, d'accord, ok. D'accord. Ah, moi, ma préférée pour l'instant, c'est quand même celle des épées. Délivrer les villageois des cages. Ici, il y a comme témoignage. Compétences recherchées. Otoke dit à ton mari que les Mongols ne sont pas ce que l'on craignait. Quand ils sont entrés dans la ville, ils nous ont rassemblés et demandé ce que nous avions à leur offrir. Et ce n'était ni nos biens, ni notre nourriture qu'ils voulaient, mais nos savoir-faire. Forgerons, armuriers et charpentiers ont été traités dignement, même les tanneurs. Le plus surprenant, c'est que leur bonté semble sincère. En revanche, ils traitent les personnes sans compétences comme des chiens. Non, pire encore, ils traitent leurs chiens avec plus de respect. Une chance pour toi que Genzo soit tailleur de pierre. Fais-le savoir à l'envahisseur. Mais en vrai... Ça montre qu'ils sont plutôt intelligents en fait, les Mongols, là-dessus. C'est-à-dire que, au lieu de bêtement tuer leurs ennemis, ils se servent de leurs compétences. Et ça montre qu'ils en ont quand même un peu dans le ciboulard, quoi. Ah, par contre, la cage, là, on en parle, là, parce que... À quel moment est censé y avoir des mecs en cage, ici? Ah, putain, ici. Ah ouais. Vous êtes en danger, fuyez. Donc l'arc long, il one-shot les bruits dans la tête. Putain, c'est très très bon à savoir ça. Trouver le chef mongol. Je vais être obligé de me le faire en face à face. Ah ouais. Violenter, torturer tous ces gens. Acceptez la suprématie mongole et votre peuple ne souffrira pas. Espèce de lâche, vous avez menti. Vous ne méritez rien de moins que la mort. Je prendrai rien de moins que votre tête. Très bien, mon pote. Oh. J'adore les chants de gorge comme ça là. C'est quoi, je pourrais te faire à l'arc, mais je vais te faire dignement, avec honneur. Ciao mon pote. T'avais pas dit que tu me prendrais ma tête? C'est les bannières. Oh, oh, oh. Quand sonne l'heure. Eh hey, les amis. C'est libre. J'adore les petits signes de main dans les jeux comme ça, la petite main. C'est un côté un peu comique dans la manière dont c'est fait. Voilà. Ah, on a toujours ce truc des FPS là quand on a un trophée. C'est assez chiant ça. Je sais pas s'ils vont le régler bientôt parce que c'est casse-couille. Charme de défense. c'est pas la folie quoi. Ça c'est terminé du coup. Ouais, terminé. Hop là. Alors. Ah bah tiens, tu veux m'y emmener l'oiseau là? Jusqu'où je te suis? Ah oui, les bambous. Alors. Alors. Facile. C'est simple. Je vais pas dire facile, mais... Ah putain, on était pas loin. Je suis pas assez rapide. Ah putain, j'y étais, je pensais à une seconde. Ah là j'ai voulu aller trop vite. Ah je veux aller trop vite. Perfecto. Hop. Ah c'était même pas ça qu'on devait voir en fait, c'était même pas celui-là. Ce que j'ai découvert c'est celui-là. Eh ben c'est un renard en plus. D'accord. Et tu veux m'emmener où, vieux frère? Allez, emmène-moi, emmène-moi. Il y aurait un hôtel par là. Allez, montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Je l'ai pas vu. Un hôtel par ici. Pardon. C'est dehors, non? Ça peut pas être à l'intérieur. Je l'aurais vu, ouais. Allez, Jean, cours un peu. Il va falloir croire que t'es vraiment asthmatique. Hop. Je t'honore. Il est tout content. Eh bien. C'est bien. Tiens, il y a un homme qui apparemment qui a besoin d'aide. On va aller voir ça. C'est bon, c'est sur place, alors autant autant aller voir. C'est lui. Seigneur Sakai, vous auriez un instant. C'est important. Bien sûr. Oui. Qu'y a-t-il? Pas ici, monseigneur. Venez. Ok. Je m'appelle Ioe. C'est ma boutique. Essaies-tu de me vendre quelque chose? Oh non, monseigneur. Tu veux me agra? Ici, ce sera bien. Personne n'écoute. De quoi s'agit-il exactement? Mon voisin Haruo. Il agit bizarrement. Il s'en va à la nuit tombée, pendant des heures, et revient à l'aube. La nuit dernière, je l'ai suivi. Il s'est rendu à une maison brûlée près du cimetière, et y a rejoint des bandits. Des bandits? C'est un problème. Je trouverai cette maison et découvrirai ce qui s'y trame. Ok. L'honneur enfoui. Merci, Ioe. De rien, monseigneur. Ouais. On va voir ce que c'est. Cette histoire. Oui, on peut y aller à pied. Hein. On peut y aller à pied, on peut y aller à cheval. Hein. Ça se fait. Par contre, ouais, est-ce qu'on pourrait pas traverser le village à cheval? Ce serait peut-être pas plus mal. Ah bah attends. Attends, j'arrive, j'arrive. Beaucoup pensent qu'ils n'existent pas, mais les kappas sont réels. Les kappas? Des démons, monseigneur. On en a aperçu près d'une cabane de pêcheurs à Akashima. Démons. Ou humains. J'irai à leur recherche. De toute façon, l'histoire nous a prouvé que, démons ou pas, je mets une branlée à tout le monde. Même les gros chefs mongols là qui veulent me faire. Je leur mine les bras. Par contre il n'y avait pas du tout de fer. Hein. Et pas du tout de fer et ouais. Ça me fait chier. Est-ce qu'on a besoin de fer? Bah, pour améliorer notre sabre déjà premièrement. Et puis pas que le sabre. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Sale de bite. Allez, il va rigoler. Voilà le gros. Parfait. Toujours pas de fer là-dedans, provision. Pas de fer. Hein. Alors, par contre, elle est là-bas, la maison brûlée. Ah oui, tiens, ce qu'on va faire. Technique. On va prendre l'esquive. Et alors là, frappe défensive, ouais, directement. Bandissez sur l'ennemi, assigner une frappe rapide. Ça donne envie ça aussi hein, ouais. On va tenter peut-être plus ça. Ah ouais, ça marche. Ouais. Ça marche. Ah, on dit pas ça marche, on dit ça fonctionne. Merci Eugène. Ça marche. D'avoir personne déjà. Selon le marchand d'Azamo, son voisin aurait vu des bandits ici. Il n'y a personne. Voyons les alentours. Il y a quand même un feu. Beaucoup de cendres. Ce foyer a servi de nombreuses fois. Ouais, puis ça brûle encore. Hein. Donc il a dû servir il n'y a pas si longtemps que ça. de vieux bandages. Peu de sang. Des blessures légères. Ouais. Un repas. Mangé récemment. Les soupçons du marchand étaient justifiés. Je devrais me cacher. Je vais attendre que le voisin du marchand et les bandits reviennent. Ah, exactement ce que je voulais faire. J'aurais pas faire à droite, mais... Ils reviennent la nuit, du coup. Tu as eu du mal à sortir d'Azamo? Non, mais j'ai vu des Mongols sur la route. Je crois qu'ils nous recherchent. Faisons vite. Qu'as-tu apporté cette fois? C'est la statue d'Inari. Ah, elle est précieuse. Je m'étonne que les Mongols ne l'aient pas prise. Enterrons-la avec le reste. Des voleurs. Je dois découvrir leur cachette. Oh, restez sur vos gardes. Comment vont les autres? Ils se cachent. Les Mongols sont passés près de la maison plusieurs fois. Mais tout le monde va bien pour l'instant. Tu as entendu? Des chevaux! Les Mongols! Cachez-vous! Ça galope bien! Ils sont partis! Allons-y! On a eu de la chance. Ils ont capturé le pauvre Taman sur la route. Les patrouilles s'intensifient. C'est sans doute à cause du samouraï. Les Mongols le traquent à travers toute la préfecture. J'espère qu'il tuera ces chiens. Donc au final, on est quand même un peu ensemble, hein. On y est presque. Plus vite on quittera la route, mieux ce sera. Qu'ont-ils fait de Tamon? Les Mongols l'ont empalé au-dessus d'une fourmilière. Il a hurlé pendant 1 heure. Oh, quelle cruauté! Dépêchons-nous de finir ça. Mais que font-ils? Je n'aime pas enterrer Inari comme ça. Je la préfère dans une tombe que sur un bateau mongol. Étrange pour des voleurs. Plus vite, j'ai un mauvais pressentiment. Voilà. Inari ne craint rien. Ça suffit. Plus un geste. Ah, je savais qu'on était suivis. Attends. C'est le samouraï. Quel soulagement, monseigneur. Drôle de réaction de la part d'un voleur. Nous ne volons pas. Vous avez chassé les Mongols de la baie d'Azamo. Mais qu'arriverait-il s'ils revenaient nous piller? Nous cachons les biens les plus précieux du sanctuaire, par pure précaution. Sotaro! Kiei! Venez vite! Ukon, tu devais rester avec les autres. Les Mongols ont trouvé la maison. Nos amis sont piégés! Ils vont les tuer! Combien de Mongols? Trop pour être compté. Qui sait se battre? Qui est et moi. Suivez-moi. Vous protégez vos amis dans la maison. Mais comment? Par tous les moyens. Les Mongols! Il en vient de partout! À l'attaque! Des renforts. Où les renforts? Ah merde. Merde, pardon, je regardais pas le bon. Nous allons mourir. Voilà. Voilà. Parfait. Ont-ils réussi à entrer? Non. Vous les avez repoussés. Pas nous. C'était le seigneur Sakai. Ouais, bah, vous m'avez bien aidé quand même. Qui sont tous ces gens? Des voyageurs fuyant les Mongols. Des gens privés de leur maison. Et vous les protégez. On essaie. Vous ne cachez pas ces objets dans le but de les voler plus tard. Non, monseigneur. On ne fait pas ça pour l'argent. Après avoir vu ce qu'ont fait les Mongols, nous voulions juste aider. Alors aidez-moi à conduire ces gens à Asamo. Vous y serez en sécurité. Le Jito a maté la révolte de Yarizawa. Voilà. On rallie les troupes. Halte! Je sais reconnaître des bandits. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oula, tu vas m'écouter, toi. Tu vas les laisser passer. Ils sont avec moi. Ces gens ont besoin d'un refuge. Même les bandits. Monseigneur, on ne peut leur faire confiance. Ils se sont battus pour protéger ces gens. Ils vous aideront à défendre le village. Bien, monseigneur. Ouvrez la porte! Laissez-les tous entrer! Assez de division, en fait. Si vous êtes capable de vous diviser entre vous... Merci, seigneur Sakai. Protégez Asamo comme vous avez protégé ces gens. Je vous le promets. Et veillez à ce qu'ils retrouvent ce que vous avez enterré une fois les Mongols chassés. Comptez sur moi. Je vous remercie de me donner une chance de me racheter. Oh, puis c'est surtout qu'en fait, c'est des bandits qu'on... C'est pas vraiment des bandits, quoi. C'est-à-dire qu'on a rencontré des bandits qui... Bon, qui déjà étaient agressifs. Et puis en plus, qui n'agissaient pas pour le bien commun, quoi. Eux, c'était pas vraiment des bandits, quoi. Ils agissaient comme des bandits, mais c'était pour des intentions louables. Que d'habitude les bandits, bon c'est pas... barrière brisée, ça fait quoi ça? Briser la garde d'un ennemi confère 15% de détermination. Ah oui. Ouais, bon. Bon. On va demander vraiment la santé. On a pas mal de charme, hein, mine de rien. Les capacités qui consument de la détermination ont 15% de chance de restituer une unité de... Ah ouais. Ah, ça peut être pas mal ça. Alors pas maintenant hein, mais à terme. Il me manque 5 renards. Oh, parfait ça. On a une île là-bas là. Alors comment on est censé y accéder ici là? Putain, faut que j'aille voir ça moi. Nouvelle faveur est disponible. Tiens, bah on ira voir ça juste après. Bien, vous. On va passer par la plage. Ou non? Ouah. Il a fait un sacré souvent le cheval. Hein. Ah, c'est là-bas. Bon, c'est peut-être pas le meilleur chemin. Oula, c'est bien ça. Eh, ça dose, hein. Ça dose. Ah par contre vraiment il nous faudrait du fer, hein. C'est vraiment pas négociable quoi. Il faut absolument du fer. On n'en trouve pas assez. C'est vraiment très très rare le fer. Hein. Après ouais, souvent c'est quand même dans les camps, les camps de bandits que tu trouves le fer. Mais... bah, tu trouves que du lin, que du cuir, que du bois, que des provisions. Faut quasiment jamais du fer quoi. Bah, attends. Ah oui, putain, on l'a fait il y a 2 secondes. My bad. Mais il est pas affiché sur la map, le renard là. Ah oui, mais non, parce qu'il t'affiche que le terrier du renard. L'hôtel en lui-même, on s'en fout un peu. Moi, je peux pas aller plus loin. Bon, on va y aller lentement en nageant. Hein. Alors toi, pour taper une pointe dans l'eau, tu fais une brasse. Ah, d'accord. Alors, bon, j'ai fait un peu de natation. Enfin, j'ai fait beaucoup de natation. Si tu veux taper une pointe, frère, c'est le crawl. Hein. Y a pas mieux. Hein. La brasse, bon. Ah, tu tiendras plus sur la durée avec de la brasse, hein. Et encore, mais oui, oui, quand même. Tu peux nager plus longtemps en brasse qu'en crawl. Mais même si bon, le crawl, c'est promenade de santé aussi. Hein. Faut juste savoir bien respirer. Mais c'est promenade de santé quand même. Oula. Oh, c'est beau ça. C'est beau cette scène. Ouais. C'est sympa comme scène. Oula, au nid crépusculaire. À tomber de la nuit, la mort se fait menaçante. Alors c'est pas si beau que ça en vrai. Alors j'ai vu le manche en premier, c'est pour ça que j'ai fait eh. Mais au final le fourreau en lui-même est très moche en fait hein, en soi. Non ça va, en vrai ça va vachement bien avec notre tenue. Vous avez vu les motifs? Tu vois les motifs de la robe là, du bas là du kimono. En vrai ça fait à peu près pareil, t'as vraiment l'impression que c'est fait pour quoi, quasiment. Totalement quoi, mais on se comprend. On se comprend. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? L'armurière, ouais. Parce que là, moi, ce que je propose, c'est d'aller là. On va prendre la faveur. Je ne l'ai jamais dit. Je jouais au samouraï dans une forêt loin de chez moi. Ah bah là ça met pas 3 FPS là. C'est vachement bizarre leur truc. Mon armure émoussera les armes mongoles. Bon écoute, on va l'améliorer hein, comme ça. Ça sera fait, de toute façon on a trop de. Ça vous protégera. On a trop de ressources. Merci. Hop. Voilà. Tenue du voyageur, c'est bon. C'est bon. Tiens, on va aller par là. Parce qu'il y a un trappeur et puis j'ai vu qu'il y avait de la fumée quelque part. Donc je me dis, il y a peut-être moyen d'avoir un camp, donc du fer. Donc notre amélioration de kunai. Venez voir ce que j'ai à vous offrir, monseigneur. Arme projectile, ah oui, oui. Flèche tourne, ah bah en vrai, ouais, carrément. Vous méritez carrément en fait. Mieux. On va carrément améliorer les flèches lourdes. Vu que ça one shot les mecs dans la tête. Alors la fumée elle est là-bas. Hein. Ouais, attends, c'est la fumée ou quoi qu'on voit? Je sais pas si c'est la fumée ou le temps. Oh, attends, il y a une chose qui va nous le dire. Ça va nous le dire. Comme ça ne restera que la fumée du camp. Vu que le beau temps va arriver. Oui donc c'est un camp, je pense. Ah. Si, c'est un camp. Clairement. J'ai failli t'attendre, putain, pour une fois. Tu me déçois, Philibert. Un peu de bambou, on en a besoin. En plus, on n'en récolte pas des masses, en vrai, à chaque fois. Heureusement qu'on a le doublé, hein. Mais tu vois, c'est par 4, par 5, par 3. Alors que des fois, les provisions, c'est vraiment par 8, par 10. Bon, c'est vrai que... Alors des charges par contre il y en a partout, il y en a plus à voir qu'on chie du bambou. Ça pousse partout. Tenue de voyageur se manifeste lorsque vous êtes proche d'un artefact. Parce que là j'ai la tenue Là j'ai la tenue de voyageur sur moi. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah bah celle-là aussi. Ah ouais, non mais elle est bien celle-là, putain mais je savais même pas que je l'avais parce qu'elle s'affichait pas dans les... Elle s'affichait pas dans les tenues améliorées, mais parce qu'en fait elle doit être améliorée au maximum. Et augmente la vitesse d'encoche et d'armement de 45%, ça c'est quand même vachement intéressant. Allonge la durée de la concentration de 3 secondes, 3 secondes c'est quand même pas indéniable. Hein. Et en plus les tirs à la tête restaurent 50% de la jauge de concentration. Donc si tu mets full tir à la tête, vu qu'en plus, genre il y a limite moyen d'être constamment en concentration quoi. Peut-être pas constamment, mais on s'est capté. Petit bambou. J'espère qu'on va avoir du fer là-dedans. Il n'a pas l'air de bouger l'autre là, lui là-bas. une unité. C'est pas... On peut assassiner par à la chaîne, mais j'ai peur en vrai. Même si en vrai je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Oh oui non, attends. Ah si hein, si lui je le tue là, ça va être vu hein. Pardon les mecs, c'est pas contre vous, vous faites partie du mauvais camp. Pas trop comment faire sans les alerter là. Voilà. J'ai l'impression qu'il avait dit fait chier. J'adore mettre des petits kills à l'arc. En vrai, ça fait tellement plaisir. C'est un artefact ça, c'est quoi? Artefact mongol. Qu'est-ce que c'est? Urtu. Réseau de messagers et de relais de poste très utilisé par l'empire mongol. Genghis Khan en particulier veilla à développer ce système qui s'avérait crucial pour fournir des informations et des provisions aux armées mongoles en marche. Ok, donc là Genghis Khan était déjà mort à ce moment là. J'avoue que je sais pas, je connais Genghis Khan hein. Mais je veux dire, je suis pas un malade de l'histoire, c'est-à-dire que je sais pas la date de sa mort, je sais même pas dans quelle temporalité il a régné en vrai. Je sais juste que c'était un fou dangereux de la guerre en vrai, enfin c'était un grand chef de guerre, mais c'était un fou malade quoi. C'était un taré mec, hein. Il pouvait tout conquérir, tout asservir. Après ouais, quand t'as des ambitions militaires comme ça, t'es obligé un peu de... Bah, ça peut pas se faire en cueillant des roses quoi, hein, tu vois. Et en prenant l'amour et la paix. C'est pas possible. attendre qu'ils reviennent. On va en terminer là. Il n'y a pas beaucoup de fer, hein. On en a eu qu'un. Ça dégoûte un peu, hein. Oula, oula, oula. Reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Un seul morceau de fer, c'est pas la dinguerie, hein. Voilà. Dodo, bouffon. Ah, même sur leur bateau, ouais, y a pas de fer. Y'a que Chi. Et puis en plus c'est pas, je veux dire, s'il y a rien de libéré quoi, c'est juste voilà, t'as fait une zone point. Ok. Merci de nous avoir sauvés, monseigneur. Allez vous mettre en lieu sûr. Rendez-vous au temple d'or d'Ariake. Bah voilà. Hein. Ouais, un peu déçu, du coup ça nous a rien libéré, en fait ça nous a rien marqué sur la map. Merde. Bon, et viens là. Il y a du bois d'ivre devant, on l'a vu, il y a du bambou juste derrière. On l'a vu aussi. Domaine du vent sale, hein. Ah, là il y a peut-être moyen par contre. Là il y a peut-être moyen. J'ai failli faire de la merde dès le début. Merde. Ah, il faut ébranler les boucliers avec des attaques puissantes d'eau. Ah bah nice. Ah, le jeu qui crache, ça me pète les couilles, hein. Vraiment. Alors attendez, ça va relancer. Tu vois pourquoi le jeu crache en plus. Alors, je fais report une erreur à chaque fois, hein. Enfin je fais report un crash à chaque fois, mais bon. Apparemment. Apparemment j'ai beau report, le problème pas réglé quoi. Il me demande un truc, je vais faire un test. Merde, il faut... Hop. On va faire un test, on va aller dans les options d'affichage. Déjà ça on va mettre ça en auto. Il y a la synchronisation verticale, mais je me dis peut-être que la génération d'images, ça rentre en conflit avec la synchronisation verticale. J'ai peut-être une idée là. On va peut-être désactiver ça. J'aurai moins d'images par seconde. Mais bon en vrai... Peut-être possibilité que le problème vienne de là. On verra hein, si on a d'autres crashs, c'est que le problème vient pas de là, on pourra réactiver. Ok, il y avait un mec sur le toit. Ah oui. Effectivement. Mais derrière. Ah, quand tu tues un mec dans un bâtiment, ils le savent pas. Bon à savoir ça, j'ai dû faire. Tu vois, parce que vu que la génération d'images en gros c'est comme la... C'est comme la FMF là en gros, le fluid motion frame là en gros, ça crée des images par dessus d'autres images et ils te disent de désactiver le VSync en gros quand tu utilises la FMF. Alors que là vu que j'ai le VSync plus un truc de génération d'images, peut-être que ça rentre en conflit hein. J'avoue que j'essaie de trouver des solutions parce que je comprends pas d'où ça peut venir en vrai. Sans ça y a pas vraiment de raison. J'ai largement la config. Les pilotes sont à jour parce que j'ai vu que AMD ils avaient fait une mise à jour justement par rapport à Ghost of Tsushima. Oui. Il faudrait qu'on ébranle des boucliers. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir la finir parce qu'il reste pas beaucoup de boucliers là. fer encore, ça c'est bien. Oh, on peut améliorer le temps de taux. Oh, oui. Oui, au moins cet épisode ne sera pas vain. On va laisser les... boucliers en vie. Faut que j'arrive à observer le chef. Tiens, toi là. Je vais venir par ici. Et là, il faut que j'arrive à... Il faut que j'arrive à observer le chef. Et après, j'ai juste à lui mettre une bonne tête... Je peux pas l'observer, lui ? Observer. Bon, de toute façon on s'en fout de l'observer du coup maintenant. Après je suis con. Ça marche bien. Voilà. Parfait. On est bon. Du fer. On va quand même récolter le maximum de fer possible, même si on a ce qu'il faut là pour le temps de taux. On va quand même ne pas passer à côté parce qu'on aura quand même toujours besoin pour le sabre après. Flèche lourde. Là il y a du fer, je viens de le voir. Flèche, fer. Après, si tu vois, c'est pas non plus à chaque fois, c'est pas non plus en termes de fer et tout, c'est pas la dinguerie quoi. Hein. Il y en a un, hein. C'est pas la dinguerie. T'en récoltes 1, 2. C'est léger. Hein. Petite provision sur le gros. Tiens, du fer ici. Hop là. Ah, on en a eu un peu quand même. 1. Ah oui, non. 1 et... Ah si, 4. 4, c'est pas mal ça. Tiens, un peu, on a eu un artefact alors. Artefact mongol, c'était quoi ça? Yadka, j'ai même pas vu. Yadka. Le Yadka est une cithare traditionnelle mongole à cordes pincées, très proche du guzheng chinois. Les cordes dont le nombre est variable sont généralement faites de crins, de cheval ou de bois au doigt. Ah bah. Merci les oies. Hein. Merci les bonnes oies. Hop. Je vérifie que je joue bien quand même, mais ça n'a pas l'air. Ah, provision. Je pense que c'est peut-être la seule chose que j'ai loupée ici. On va aller voir en haut de la tour. Et il n'y a rien. Donc c'est bon. Par contre, tu vois, les mecs juste là-bas. Et je vais pas les laisser vivre. Nickel ça, merci les mecs. C'est appréciable de vous entretuer comme ça. Et de me laisser juste loot le le trop plein. Ah ouais, j'avais vu qu'il y avait ça là. C'était pourquoi? Ou attends, forcément un truc par ici. Aïe. Ouais. Il y a eu du mort par là. C'est tout. C'est tout. Ah ouais, tout ça pour ça quoi. Ça fera une belle petite miniature par contre. 2h15. Je retiens. Hop. Bon bah parfait, ça du coup c'est bon, c'est libéré, propre, parfait. Forgeron, bah tiens on va aller voir, merde, on va aller voir le forgeron directement, on va lui améliorer le tanto, comme ça c'est fait, et puis je vais pouvoir aller me coucher serein quoi. Ah bon, je vais pouvoir aller me coucher heureux, serein, prêt à... à embrasser la journée de demain. Nous traversons des jours sombres, monseigneur. Je ne saurais trop vous conseiller de demander l'aide des Kami. Leur sanctuaire se trouve derrière les torii. Je me demande parfois s'ils entendent nos prières. Ils ne cessent jamais d'écouter et de veiller. Si vous y mettez suffisamment d'ardeur, ils répondront. Merci. Je poursuivrai mes efforts. Très bien. Seigneur, je peux vous aider à améliorer vos lames. Je vais lui rendre son éclat d'origine. Oh oui. Adorer le résultat. Oh oui, maintenant, j'assassine plus vite et j'assassine mes ennemis plus discrètement. Ah oui, mais non, mais en fait, je vais même pas pouvoir. Non, en fait, je peux même pas. En fait, je pensais que ça améliorait les dégâts, mais ça améliore pas les dégâts en fait. Ah, c'est juste que j'assassine plus vite et que j'assassine plus discrètement. Alors c'est vachement cool, hein. on va pas se mentir, déjà que c'était bien, c'est quand même vachement cool. Mais ah ouais, je pensais que... Non, non, bah d'accord, bah pour buter un chef, du coup, il n'y aura pas de 30 000 solutions, arc long, flèche lourde. Tac. Vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Ah, il nous faut de l'or aussi, ah ouais. Alors dans ce cas-là, ce qu'on fera la prochaine fois, c'est que... Qu'est-ce qu'on a quoi là? Trappeur ici. Ouais, du coup, la prochaine fois, on va ce TP il part ici et on fera le camp. En fait, on fera ce camp là parce qu'en fait, vous voyez, le camp en le terminant, on gagne un point de technique, donc déjà ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, on gagne 2 d'or. Donc ça nous permettra au moins de faire la prochaine amélioration de sabre. Peut-être même l'autre d'après, si l'autre d'après ne demande que 1 d'or aussi, même si j'imagine que ça demandera plus d'or. On sait jamais. Hein. Donc voilà, on pourra le tenter. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir tout de suite combien coûteront les prochaines améliorations? Celle-là, ah, tu vois, elle coûtera 2 d'or. Donc en fait, non, ça nous permettra de faire la prochaine. Et on aura déjà 1 d'or pour celle d'après. Putain, il va nous falloir 100 de faire. Putain, au total, il va nous falloir 285. 285 de fer, gros. J'en ai chié pour en avoir 70. 285 de fer. Ah ouais, les chiens. Les chourdes, on en a 6. C'est bien ça, par contre, en vrai. Pareil d'enchaîner si jamais il y a 6 chefs. Ce qui pour l'instant nous est jamais arrivé. Pour l'instant, le maximum qu'on a eu, c'était 3. Dans le même camp, parce que normalement, on n'en avait qu'un. Dans chaque camp. Donc, tu vois, je peux largement me faire les 3, quoi. Est-ce qu'il y en a qui me donnent de l'or là? Non. Tous me donnent un charme en or à peu près. Et puis sinon, mais personne. Il n'y a aucune quête qui me donne de l'or. Ça me donne une nouvelle région à explorer. Ça c'est quoi? Ah oui, la danse du Kourou, c'est vrai. Ah ouais, bon. Ok. Très bien. Bon bah écoutez, on va cesser là. J'espère que j'ai trouvé le problème de mon crash. Là je pense que c'est ça en vrai. Parce que même là, en fait, le jeu, même s'il était fluide, en fait il avait l'air des fois d'être un peu laggy. Alors que pourtant il y avait... Enfin pas laggy, mais enfin vous comprenez. Pour moi il était laggy dans le sens où à 240 Hz, frère, il était laggy. Là où là j'ai l'impression qu'il est très fluide. Enfin même un peu plus fluide que ce qu'il était de base. Alors que normalement c'est censé être l'inverse. Donc je me dis peut-être que... il y avait un problème entre la synchronisation verticale et la génération d'images. Et au final, parce que je me dis, de toute façon, en vrai, il n'y a que 2 solutions. C'est soit tu gardes la synchronisation verticale et t'enlèves la génération d'images, soit l'inverse en fait. Mais du coup, si t'as pas de problème de fluidité, ça ne sert à rien de mettre la génération d'images en fait. De toute façon, moi, la FMF, le Fluid Motion Frame, je l'active jamais. Donc, j'ai pas de problème de perf. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre les crashs qu'il y a sur le jeu en fait, parce que j'ai pas de problème de perf sur aucun jeu en fait, mais même sur ce jeu, hein, y a pas de problème de perf, hein. Clairement pas. Hein. Je dois avoir 144, 150 FPS là, la classique, là, sans la génération d'images et peut-être un peu plus avec, parce que je joue en 1080p, je joue pas en 2K moi, mon écran me le permet pas, mais ouais, donc du coup j'ai aucun problème de perf quoi. En plus je joue tout en très élevé, vous l'avez vu au début de l'aventure, donc il n'y a aucune raison pour que ça soit laggy et pour que ça crache. Et en fait je pense que le problème venait de là. On verra ça dans les prochains épisodes si ça continue de recrash. Sinon bah du coup bah, je sais pas quoi. Je sais pas comment on fera parce qu'en fait je vois pas d'où viendrait le problème hein, du coup. Donc après, il faudra peut-être essayer d'enlever le FSR3, peut-être que le FSR3 pose un problème et que, je sais pas, parce que ce serait étonnant, mais bon, bref. Bref. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.